Ah, le tank se régénère tout seul, ok. J'avais pas compris ça. Là où tu veux. Mais... T'as mais 4 tirs de tank, c'est abusé. Oh putain, on les renverse même pas les arbres. On les traverse. C'est beau! C'est beau comme un camion! Je vais attendre que mon tank se régénère. Putain, gameplay, level design. Ah. J'ai R2-D2 dans le tank en fait qui le ressuscite. Mais qui, par où, par quoi, par comment, mais montrez-moi sur la carte d'où vient l'erreur. Oh non, non, non. Oh, où est-ce qu'on reprend? Ah, ça va reprendre là. Pas toucher la nature, ouais, mais le truc c'est que tu renverses même pas l'arbre, c'est tu le traverses. Ah! Je l'ai cassé là! Peut-être en a... parce que je suis allé trop vite, je l'ai traversé tout à l'heure. Mais bon, c'est tellement mal fait. Mais des fois, ils me font des tirs critiques, on dirait. Tu vas mourir, oui. T'as 13 points de vie, super. Est-ce qu'il se répare plus vite si je sors et je rentre? Ah non. Ça me rappelle les combats à la Batmobile dans Batman Arkham. Ouais, mais au moins elle était plus maniable et plus intéressante, la Batmobile, à jouer. Mais c'est vrai que c'était chiant contre les tanks. En fait, ils ont trop mis de tanks. Ouh, regarde, d'où, connard. Ah, t'es là. Oh putain, je vais mourir. Bah oui, il faut qu'il sorte devant le tank, pas derrière le tank, hein, pas à l'abri, c'est devant le tank. Il est là. Il va me détruire ce tank, ce coup. Ah mon tank, t'es pas gentil. Je fais comment moi, à pied? Coucou, tu veux voir mon canon? Oh là là, mais non, mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? En 3 points de vie. Il est où? Ah. Et comment il est mort? Il est mort parce que mon tank a explosé et du coup lui il a explosé. Putain, maintenant il est chinois. Mais par où? Par qui? Je vois personne, hein. Ah là je vois quelqu'un. Je sais pas qui tu vas viser d'ici. Déjà que quand t'as le canon dans le cul de l'ennemi, t'arrives pas à le tuer, alors d'ici laisse tomber. Oh non, un autre tank! C'est pas possible ce niveau! Je suis en normal, les gars! Ayez un peu de respect pour l'humanité! Coucou! Stratégie. Est-ce que je le touche?
pris qu'une balle. Après, j'ai Wouh ! À la dernière roquette. C'est une stratégie pour tuer un tank. Tellement réaliste. Merde, grenade, non, grenade, j'ai plus de vie. Oh là là, y a tout ça encore. C'est un ennemi qui courait. Ce coup de canon à bout portant, ça va tranquille. Par contre, il y a un autre tank, je suis foutu, hein, j'ai plus rien. Ok, je tire. J'ai l'impression de jouer à un FPS, un jeu sur Nintendo 64, tellement le level design et le game design est vieillot. Oh, dis-moi qu'il y a eu un checkpoint, bordel. Goldenfield 64. Goldenfield 64, pas mal. Il va falloir faire gaffe ou la mission sera un échec. Coucou. Ah c'est ça. Pousse la table pour te protéger de la grenade, c'est ça. C'est la stratégie de l'Ender, tu peux y aller. D'accord, et maintenant? Merde! Ah, ça y est. On se gèle ici. Le pont est là. On n'est plus que quatre. Il faut y aller. C'est complètement à découvert, autant dire un vrai merdier. Par contre, le chapeau flotte dans le vent, c'est pas mal. La tempête faiblit. Il faut se dépêcher. Ça plaît pas. Par contre, la queue de cheval, j'ai pas vu une queue de cheval aussi bien faite depuis la PlayStation 1. Oui! T'as fini, j'arrive. Y'a ma fille qui a fait caca, j'arrive. Je reviens. On a discuté, tu m'as rien demandé. C'est quoi le problème? C'est parce que je suis une femme, c'est ça? J'ai pas de problème avec les femmes, sauf quand c'est des menteuses! Oh. Arrêtez ça! On a une mission à mener! Pensez aux gens à bord du Valkyrie! Les gens qu'on a sauvés! Maintenant, ils comptent sur nous! Merde! D'un petit coup de main. Hacker, il faut m'aider. Les persos sont tellement clichés, le black badass, le gamin peuré et le chinois parce qu'il faut une fille dans le jeu, sinon les féministes vont gueuler. bah du coup j'ai pas écouté, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut ouvrir la porte? Elle nous cache. Je lui fais pas confiance. Faut garder un œil sur elle. Tout ça parce que c'est une femme. On y retourne, et vite. Il est tellement pas fini ce jeu.
Bon, j'imagine que ça a été un checkpoint, ça. Je crois que je vois les avions. Pas d'avions de chasse. Ils vont pas tarder à arriver. La tempête ne durera pas. Ouais, ça on dirait pas. On passe derrière les voitures. Laissez-vous. Putain, mais c'est ridicule, tu peux même pas refermer la porte en la poussant. Oh la vache. Ce jeu de la tristesse. Foncez dans le bus. Oh, heureusement que c'est un bus pare-balles, c'est ça? Oh, j'ai cassé la vitre en jetant la grenade. Carrément dans le bus, il la balance la grenade. C'est quoi ces grenades qui perforent les vitres? C'est normal, ça fait bink et ça revient quoi. On passe derrière les voitures. Laissez-vous. C'est pas toi que je visais, je suis désolé. Ah, là par contre mon viseur il tremble, là il y a vraiment du vent on dirait. J'aime bien aller dans le bus mais il y a personne qui va dans le bus, tout le monde va à côté du bus finalement. Mais comment vous avez fait pour passer là-bas? Ah, par là. Ok, je tire. Voilà, c'est une scène qui doit être monumentale, climatique et tout. Et c'est ridicule parce que les armes n'ont aucun impact. Les armes n'ont vraiment aucun impact. Du coup, t'as aucune étincelle, aucune vibe, aucune œil de tigre, quoi. C'est lourd, une vraie grenade, Daki. Oh, ouais, oh. Ouais, mais une vitre de bus, je suis pas sûr que ça pète sur une grenade. À tester. Mais j'habite pas Marseille aussi. Bah vas-y, coupe-moi les jambes. Pourquoi bouger ça? Je sais. Putain de con, faut pousser. Ok, il a bougé, son bras est libre. Contact, facile, allez mêler. Cible abattue. C'est bon. Là, ils les ont tués, la vache. Ok, à la voiture. Pack, brise la tête. Voilà, vérifie le frein à main. À 3, 1, 2, 3. Oh, il est passé juste en dessous de la bagnole. Il est chaud. Faut pas rester sur le pont. C'est trop dangereux. On va pas te laisser en arrière. On abandonnera personne. Je peux foutre avec des grenades en servie. Attends, je me mets mieux, j'ai mal au dos là, comme ça là. Donnez-moi la main. Écoute, si tu montres tes seins, ma braguette ouverte, ça va repousser la voiture très très rapidement. C'est quoi ça? Ah, maintenant il y a un bateau qui rentre dans le pont. Sinon mes jambes elles vont bien. Mais c'est quoi ces Américains qui flottent pas? Anna égale Kai. Ouais mais Kai est quand même plus badass. Ce drama. Putain, c'est flotté, gelé.
Vraiment scène sympatoche, mais le problème c'est qu'on n'a pas eu le temps de s'attacher aux personnages parce qu'ils avaient aucun intérêt, aucun impact, et qu'ils sont super nuls en combat. Donc. Et pourquoi j'ai un flingue maintenant? J'ai pas changé d'arme. Ça m'a téléporté des armes que je veux pas. Attends, je fais un headshot au flingue pendant une tempête. Raté. Ouais, j'en ai eu un. Bon, ça, j'en ai au moins eu un. Voilà, c'est la seule utilisation du flingue. Alors, j'ai l'impression qu'on va faire de l'intérieur là. Alors attends, du coup, vu qu'on va faire de l'intérieur, on va prendre le pompe. Ah non, il y a les chinoises aussi hein, dans Battlefield Hardline. C'est Kai, elle est chinoise aussi. Ou alors il y a la petite latino, la blonde, tu parles de la blonde. On voit un moment. Amo. Amo. On doit monter et confirmer les coordonnées. Non, quelqu'un t'a causé à toi? Je veux une réponse de quelqu'un de confiance. Ok, on confirme les coordonnées, on lance la fusée et on se tire. On peut le faire. Battlefield 1, une française. Oh wait, y a pas la France. Ah oui, parce que la France, elle a pas eu un rôle majeur dans la guerre mondiale, hein, tout le monde le sait bien. Ça fait longtemps que vous êtes équipe. Irish et Raker, ça remonte. Et Don, c'était le chef d'escouade. Moi, je suis là depuis un an. Qu'est-ce qui est arrivé à Don? Non, elle est un peu asiate, mais elle est latino, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Ah, je suis désolé, je savais pas. De quoi faire le plein. Et pourquoi je peux pas prendre le RPG? J'ai pas le droit au RPG, c'est ça le problème. Je fais droite, mais... T'as pas envie, tant pis. Ah oui, le soldat inconnu, c'était une tuerie, hein. C'était vraiment une magnifique chose. Mais regarde, pourquoi ils m'ont vu? C'était hyper silencieux, tu pouvais pas être plus silencieux que ça. C'est le silence même du silence. Le fusil à pompe est réussi, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Non. Je crois qu'il y a encore Pac qui est en train de s'amuser avec un chinois au fond. Putain, 8 points de vie. Mais non. Alors, allons voir Pac ce qui nous... Et où c'est pas Assassin's Creed. Ah c'est pas Hardline non plus.
pas toi qui commande, Ali. C'est quoi ton problème, Ali? Allez, les gars, par ici. Tu crois que je suis pas digne de confiance? Tu me traites de menteuse? Je t'ai rien fait, pourtant. C'est bon, vous avez pu vous engueuler maintenant. T'as rien fait pour moi. T'as rien fait, t'as sauvé la vie 300 millions de fois, là, depuis la balade en tank, le pont et tout le bazar. Trop de balles. Machiste. Machoste. Machiste. Faut les engager, mais ils vont jamais rejoindre notre armée. Ça va faire. Ah, on va se battre là. Mais j'ai un fusil à pompe. Attends, reviens. Attends. Pourquoi Erich il est pas roux? Attends, noir, roux, ça cumule là dans le problème. Regarde, j'ai mis une balle dans le cul là, il est vivant. Elle est ressortie par la bouche. Saloperie. Oh, mais si je peux jeter des grenades. Oh merde, je peux tirer par là. Merde, grenade. Ah, c'est bon. Mais... Et voilà, problème de polygone. Je suis trop bas par rapport au polygone et la balle tape dans un mur invisible. Putain de mur invisible. Ah, c'est gonflant ça. Il t'offre des solutions de level design, mais le truc c'est que c'est tellement mal branlé, il y a des murs invisibles et tout. Merde, balle. On se replie pas, on fait qu'avancer là. Ah, disons qu'une suite de soldats inconnus, ça serait forcément la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Et voilà, mur invisible. Ça me paraît très trop facile là. Ça me paraît trop simple. Ah voilà des renforts. Ah oui, non, j'ai vu un peu large là pour mon lancer de grenade. Il lance pas aussi fort. Il lance pas aussi loin. Sérieux, faut 2 balles pour les tuer quoi. Ah putain, je l'aurais jamais trouvé vu sans ça.
Arrêtez de tirer, j'arrive pas à viser avec toutes vos balles traçantes là. Mais c'était sérieux ? Et voilà, là je peux le tuer, mais je suis dans un mur invisible parce que la hitbox de ce putain d'avion n'a et un cube. Oh merde, il y a tout ça encore. Mais pourquoi il leur faut deux balles pour les tuer, sérieux? Mais... Encore? Encore un? Mais où? Ah là. Oh salaud, il m'a flashé. Bah, en pleine gueule. Crevez-vous. Y'a pas de mur invisible, ton canon est au niveau de l'obstacle devant toi, mais si ton viseur est sur la cible, son canon est devant l'obstacle, ça passe pas. Bah non, moi c'est la cible. Si la cible est... Voilà. Cible, elle est... Point. Si le canon il est en dessous, on s'en fout, c'est la cible qui compte. La porte. Voilà l'issue. Sur la voiture. Il décolle. T'es prêt, Pac? Faut que je lance la fusée. Ok. Parce que je suis mieux à la machine gun. J'ai l'habitude de manier des machine guns. Quand je vais aux toilettes. Ah putain, c'est la nana qui conduit. Oh putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais qu'est-ce que tu fous? Elle sait même pas... Elle sait même pas démarrer une voiture. Oh non, c'est quoi ça? Ça chauffe. C'est quoi ces mitraillettes américaines qui chauffent? C'est ridiculement nul. Bon, c'est par où? Mais tu vas où? Y'a un nana, comment tu conduis? Mais t'es... Mais pourquoi t'as pris le volant? Moi j'aime bien, c'est de l'autre côté la rue. À quoi elle a servi cette séquence? Ils te promettent un truc bien, genre un gros passage en machine gun, en jeep et tout. Tu fais pouf 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 et c'est fini. C'était de merveilleux drapeau. Là, l'intelligence du level design de Hardline, à un moment où tu dois lui tenir la pression et t'as les... Voilà, c'est comme si t'avais tenu la pression au final. Et au final, rien. Allez, merde, back! Quoi, là? Ta
Simon Thatcher, vois-toi, toi, t'amène là. Qu'est-ce qui se passe? Putain de merde! Oh. Oh merde, elle nous a trahis! Elle nous a trahis! Ah, mais pas lui. Désolé, Ricker. C'était la seule solution. Ah bon? La seule solution de quoi? La salope! Mais pourquoi toutes les chinoises nous trahissent dans les jeux? Deux marines tués pendant l'assaut. On n'a pas assez de moyens pour s'occuper de tous les blessés. On est peut-être plus sous l'emprise de Chang, docteur, mais ce n'est pas fini. On a besoin de tout le monde sur pied et prêt à se battre. Et Tombstone, capitaine. Qui parle ? Putain, très bien. Ok, quoi d'autre ? S'ils ont été capturés, quelles sont les chances ? Si Chang met la main sur eux, ça m'étonnerait qu'on ne jamais règle numéro 1, ne jamais faire confiance aux Chinois. Tu sais pourquoi les Chinois ont toujours le sourire ? Parce qu'eux, ils savent ce qu'il y a dans les NEM. Dodo ? Dodo ? Votre mission à Shanghai, sergent Ricker, c'était pour quoi ? Bah, pour buter du chinois ? Mais... Arrête de me poser la question, je sais même pas pourquoi je joue au jeu ! Mais qu'est-ce que tu veux que je sache pourquoi je suis venu en Chine ? En fait, c'est DICE qui me torture. Quelle était votre mission à Shanghai ? Mais j'en sais rien, on me l'a pas expliqué. Moi, je lui ai dit avant, c'est but tout ce qui est bridé. Ah putain, il m'électrocute avec une saucisse électroquisante. Laisse-le tranquille, espèce d'enflure ! Malheur à votre tour, sergent. Et je vais m'en servir pour cogner sur cette salope d'Anna jusqu'à ce qu'elle crève. Eh ben voilà. Un one-liner sympa. Une punchline bien. Quelle Marie, t'as perdu la tête? Tu me prends pour un demeuré. Le type avec des pansements. Je sais tout. Donc, il est vivant. Votre navire, c'est l'USS Valkyrie. Oh, il est connu cette voix. Elle est connue cette voix. Vous ne savez pas qui vous avait fait sortir de Shanghai, n'est-ce pas? Ah, oh. Ma femme est Shoshi ? Même pas, je lui prends sa saucisse, je lui mets dans la bouche ou je sais pas, quelque chose. Si, il explique au début du jeu, mais il fallait suivre, j'ai rien calé. Ils disent que c'est votre nom. Vous savez quelque chose sur Jinjay ? Je les entends parler. De vous. Tu veux bouger ? Il est très moche ce caillou, ils auraient pu mettre un peu plus de polygone pour les graviers au sol là, vu comment on le voit au gros plan. Vous êtes américain, souvenez-vous. Vous pensez que votre pays viendra vous chercher? Non. Vous mourrez ici, croyez-moi. Luc ? Ah non. Double face ? Vous me faire confiance. Double face ? Il y a des limites à ce que peut faire un homme seul. T'as une sale gueule, toi. Tu veux que je te tue ? Une chaîne ne vaut pas mieux que son maillon le plus faible. Je vois que vous êtes fort et que vous avez les compétences qu'il nous faut pour sortir d'ici. Alors je vous fais confiance. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ? Vous comprenez ? Faut voir avec Baba, mon cœur. Moi, je t'en donnerai pas. Sauf si vous avez envie de... Ça part en prison break, c'est clair. Merci, Glottingill, pour le follow. Qui vous reste à vivre. Non, mon cœur. Quand vous avez c'est Baba qui t'en donnera. Pas moi. Nucléaire. Moi, je sais pas où il est. C'est Baba qui l'a caché. Demande où il l'a caché à Baba. Vous ne pouvez pas mourir en prison. Mais t'es un X-Men. Tu casses du mur à main nue, quoi. Ou la liberté. Et pourquoi tu m'as attendu si tu peux t'en sortir tout seul? Et pourquoi on m'a mis en cellule avec toi? Et comment t'as arraché des tuyaux à main nue? J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Nous
option à côté. Il faut sauter. J'ai un bouton de saut. Ah ouais, ah, sauter. Allez, Marie, sur les canalisations, sautez. Ah ça y est, j'y suis. C'est pas des canalisations, c'est des fils électriques d'ailleurs. Les fils électriques qui sont juste à côté d'une grosse fuite d'eau, c'est pas terrible. Ah, ces canalisations là. Eh bien, on est dans un endroit inconnu, mais on a toute la carte de la région. Bien. Si on reste ensemble, on survivra. Mais t'es qui ? Maintenant, attention. Si vous prenez une balle, je pourrais rien faire. Un marine mort ne sert à rien. Il y a un reboot en 2017 prévu de Prison Break, sérieux ? Ah mais je dois être le pire soldat américain de la planète entière. Tu me laisses avancer ? Ah non. Tu veux montrer que t'es badassitude, c'est ça ? Prends l'arme. Ok mon cœur. Allez, sergent. Oui, oui, vas-y. Mais t'es qui ? Votre présence est inespérée pour moi. Elle a créé beaucoup d'agitation. La tour au centre permet de débloquer tous les verrous manuels. De là, on peut ouvrir toute la prison. Maintenant, attention. Éliminez le garde en silence. Ok, ça je sais faire. Enfin, je crois. C'est fait, chef. Il avait une arme, je peux prendre son arme. Et pourquoi je peux... Moi, j'ai pas d'arme. Je vais vous couvrir. Grimpez et neutralisez le verrou. Évitez les projecteurs. Restez baissé. Déclenchez une tempête et on surfe dessus vers la liberté. Ah putain, on dirait la tour de les gardiens de la galaxie quoi. Ah ouais, mais attends, je vais attendre que le projecteur passe. J'aime beaucoup ton stream, merci Glottingale. J'aime beaucoup ton commentaire. C'est bon, je dois être dans l'angle mort des projecteurs là. Ah merde, je vais faire comment là ? Oula ! Ah merde! C'est pas terrible ça! Wouhou! Putain, c'est ça les Marines là! On dirait qu'il lui faut des baffes! Bon, je peux avoir une arme? Ah. Ok, et pourquoi je suis venu ici au juste? Ah! C'est quoi son délire d'arracher les médailles? Il veut en faire une collection? Ouais, peut-être. J'ai tué tout ça. Et voici la preuve. Ah, faut se battre contre les renforts. J'ai cru que la télé était indestructible. Oh putain. Je ne vois rien. Wouh, tout ça!
Ah, j'ai pas de grenade. Je dois me barrer ou je dois survivre? J'ai pas calé là. Ah non, quitter les lieux, je dois quitter les lieux, mais comment tu veux que je quitte les lieux? Ça me manque de buter du nazi. Ouais, bah c'est clair. C'est clair. Mais je quitte les lieux comment? T'as vu le bazar? Oh, 23 de vie. En espérant qu'il y ait un checkpoint. Pac, t'es où, Pac? Dégage de là. Allez. Pac, où est-ce qu'il est passé? Pas question que je me tire sur lui! Allez, faut y aller. Viens. Le seul jeu next gen où il y a du nazi, c'est Wolfenstein The New Order, et il est excellent. Exactement, oui, c'est vrai. On l'oublie très souvent, mais c'est une putain de très très belle aventure. Pac, où est-ce qu'il l'a emmené? Et pourquoi maintenant les Chinois sont gentils? Pas question de partir sans Pac. Que ce soit bien clair, je ne vais pas mourir ici. Oh, tout ça, c'est des ennemis. On va nettoyer la prison. Oh, je lui ai explosé une couille. Mais c'est pas possible. Ah, j'ai enfin réussi à l'avoir. Et putain la vache. Faut qu'on avance, j'imagine que c'est la Call of Duty, si j'avance pas, les coéquipiers avancent pas. Merde. Regarde l'intensité de ce truc, c'est tellement mal foutu. Merde, y'a quelqu'un. Ou 9 points de vie, 0. Chiotte. J'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière. Comment ça? L'ascenseur est droit devant, c'est la seule sortie. Pas question de partir sans Pac. Que ce soit bien clair, je ne vais pas mourir ici. Faites-les tous, nettoyez-les. Ah, salaud. Saloperie. Oh là je l'ai bien joué. Là je l'ai très bien joué. Là je suis content de moi. Thank you.
Non, non, c'est juste qu'on est super doué. Oui, pourquoi nous aider? Je ne vous aide pas. C'est vous qui êtes en train de m'aider. Mais qu'il se passe d'un coup, on dirait qu'il s'est chié dessus. Ils y arrivent. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. C'est qui, lui? Votre partenaire, il est fiable? On est où? À Singapour, c'est ça? Elle était bonne. Votre amie plaisante. Je suis Irish. Et voici Riker. La PAC. Oh merde, c'est vrai. Vous savez ce qu'il y a là-haut? Je parie que non. T'assois sur moi. Vous pigez pas. Vous pigerez bientôt. Mais c'est quoi? Il les transforme en nazis, il les transforme en zombies, il les transforme en M. Ils se feront tuer. Mais pourquoi ils se feront tuer? Mais non. Et pourquoi c'est déjà la guerre en haut? Ils se guerrent contre qui? Et pourquoi je peux récupérer toutes mes armes? Ah, un petit scarache. Laisse tourner, bordel. Il n'est pas loin. Oh. La porte principale est droit devant. Tire en cours. Allez, attention, Riker. Je vous couvre. La porte est ouverte. Bougez-vous. Allez, Riker. On se tire dessus. Eh ben deux secondes, je dois faire un tout petit peu de ménage avant d'avancer, parce que là, sinon j'avancerai pas. Oh là, je l'ai bien joué. Oh putain, mais ça a l'air grand là. Sérieux, on peut même aller là-haut? Je sens que ça va être balèze à passer. Je vais les avoir. Ah bah, j'ai bien fait d'avoir pris cette arme. Hein. Un putain de mur invisible! Et voilà. Comment gâcher des babales? Ah, on peut descendre par là aussi. Mais et tu te fous combien de balles toi? Oh, j'ai tout raté là. Putain, mais je vois rien avec les étincelles. Salut Bloc, merci d'être passé. Ça fait du BF4 maintenant, ton avis par rapport à BF Hardline, il est pourri. Il est vraiment pourri pourri. Il est plus que pourri en plus d'être buggé et à chier. Oh, c'est un truc de dingue.
Hardline, c'est une masterpiece, un petit bijou, mais alors ce Battlefield 4, il est pourri de chez pourri. Il est blindé de bugs, il est mal fignolé, il est mal finalisé, il est... C'est une horreur. C'est une horreur. Ils sont invincibles. Tant que le script n'arrive pas, ils sont invincibles. J'ai pas vu un chinois par là. On rentre là-dedans. C'est bon. Il y a un truc en plus, il y a une arme. Je tire, attention, chopez-les. Mais il n'y a plus personne, les gars. Ah si, il en reste un, c'est pour ça que le script se déclenche pas. C'est bon. Et maintenant ? Maintenant, salle de contrôle. La salle de contrôle ? Putain, c'est où ? C'est là. La porte. Là. La Merlock, je peux réparer. Allez, on y va. Là-dedans. C'est quoi cette arme ? Ah, lance-grenade. Ok, c'est bon. Ça va, c'est bon. Ouais, j'espère que ça vaut le coup. M'obsède depuis très très longtemps. Mais qu'est-ce que t'as, toi? T'es qui, toi? Mon corps ne suit plus. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme conneries? Des hélicos. J'ai besoin de temps pour la porte. Bah oui, bah tiens. Mais ils vont pas nous attaquer en hélico là-dedans, quand même. Ah, et par contre, ils peuvent les éditroyer là. On bientôt là, soyez prêts. Ok. Ramasser des clés morts, des explosifs, tout ce qu'on peut utiliser. Ouais, mais c'est mal branlé parce que le temps de les foutre, la clé mort, ils vont arriver. Mais il te faut combien de balles? C'est des super soldats ou quoi? Oh, ça m'a servi la clé mort quand même. C'est bon? Eh? C'est tout? Il est pas... Et alors lui il est parfait. On est de ce côté là les mecs. Mais sur qui il tire? Ah putain, il a l'air d'avoir des mecs plein au fond.
Ça va, je peux pas me prendre mes propres clés morts. Mais il est où? Ah merde, y'a une grenade derrière, fais chier. Non. Oh merde. Chier. Bon, faut que je reste là-bas, quoi. Mais trois plombs va le tuer au corps à corps, c'est un truc de dingue. Ils ont des sarrecœurs, des hélicos. Il a aucune âme ce Battlefield, c'est exactement ça, c'est il a aucune âme, il y a aucune étincelle qui te fait waouh, c'est génial. Non, il y a on enchaîne des trucs, on sait pas trop pourquoi ni comment ni il manque une âme, ouais, c'est exactement ça. On s'attache pas au personnage, on regarde. Je peux pas les tuer tant que le script c'est... ils sont pas descendus de la corde. Pourtant c'est pas faute de les toucher. Et c'est surtout qu'il est extrêmement buggé et blindé de script anti-level design, quoi. Mais non. Mais comment j'ai pu le rater? Allez, j'ai besoin de temps. J'ai presque fini. Allez, en attente, les gars. J'ai la salle de contrôle. Ouh. Putain, j'avais pas des clés morts ici? Ils ont toutes pété. C'est bon, ils ne gêneront plus. Vous allez bien, Wrecker? Allez. Ok, le scope, ouvrez cette porte. Oui, oui, je sais. Ah, ça y est, ça s'ouvre. Ouais, c'est bon, ça s'ouvre. Oh. Hé hey, c'est coincé, bordel. Bah, ça va, tu peux te baisser. On peut passer dessous. Ah, bah oui. Forcément. J'espère aussi que la campagne de Battlefield 1 sera intéressante parce que j'ai vraiment, 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 vraiment peur. Vraiment très, très peur de ce Battlefield 1. Très, très peur. Bon, bah, c'est quoi? C'est une agent triple? Tu veux tuer cette chinoise, hein? Alors qu'elle vient de nous sauver? Du calme. Va te faire foutre! Tu nous as donné! Je vais vous expliquer. Tu nous as trahis! Tu travailles pour Chang! Non! Je suis pas du côté de Chang! Il en voulait à Jinji. Ma mission était de le protéger. Il regarde tout ça l'amener, tout droit à la mort, putain! Non, c'est faux! La il ferme, vous deux! Sauf si vous voulez crever ici. On y va! Prenez vos armes. Je vous battrai plus tard. J'arrive pas à croire toute cette merde. Il faut partir. Sergent, aidez-moi avec cette porte. Salut Chamallow. Vous avez gardé les jumelles tactiques? Oh, une Game Gear. Mais qu'est-ce qu'on se les gèle? Où est-ce qu'on est? Regardez ça. La liberté. Mais on est où? On est au Tibet? Ah, faut atteindre le cap téléphérique là? Irish, on est dans le même camp. Ouais, c'est ça. Arrête tes conneries. Si je vous avais pas fait capturer à Singapour, on serait tous morts. Mais Bak, il est où Bak?
Tu l'as sauvé aussi? Patrouille là-haut, près de la tour. On peut facilement se cacher dans la neige. Ah, au moins ça, c'est rafraîchissant comme décor là. Y'en a qui a couru créer comme une gonzesse. Oh merde, tank! Ah, c'était pas prévu au programme ça! Merde! Non! Mais je suis allongé normalement! Pourquoi il m'a mis debout? Je veux bien, mais d'abord faut nettoyer un peu la zone. Putain, il vise bien le mec quand même. Les Chinois, vous êtes doués au ping-pong, pas au basket normalement. Cette musique, on dirait qu'elle a un bug, la musique. On dirait qu'il y a un problème électrique sur la musique, sérieux. Ah, bizarre qu'il soit tout seul. C'est normal, ça s'appelle une montagne. Chelou la musique. Ah, ils ont carrément un truc missile anti-aérien ou je sais pas quoi là. D'ailleurs, je suis passé par là, il y avait personne et les ennemis ils ont popé parce que le script l'a décidé. Oh putain, il y a des snipes. Ouh, ah là. Chin toc. Non.
Y'a encore du monde là-dedans. Ah, et pourquoi ça a pas explosé tout à l'heure quand j'ai envoyé un missile? Merde, le sniper qui est revenu en haut. Oh merde, il y a un avion, je fais comment moi? T'es trois. Ah non, mais vous êtes vraiment ridicules, les mecs, là, sérieux. Oh, je vois rien. Mais d'où tu viens de derrière? Comment c'est possible? Fuckingment possible! Putain, mais où? Ils sont combien? Je tire. Non, heureusement qu'il y a ce radar, hein, la vache sinon. Ça dégarde. D'accord. Je crois que c'est bon. Ouh. Eh ben c'était serré quand même. Ou la visée est mauvaise ou les mecs sont solides. Je crois que c'est les deux. C'est un mix des deux. Liberté. Slava Bogo. Tu aurais pu détruire l'hélico avec ton lance-roquette. Ouais, j'ai déjà du mal à viser un tank au sol, alors un hélico en l'air. Ok, on attend quoi là? D'accord. J'en ai rien à foutre de tous ces japonais. Mais t'es qui toi? Putain, mais c'est qui ce